Coucou. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous remercier car nous sommes 5000 sur ma chaîne. Je suis vraiment contente, nous sommes 5000 personnes me suivent. Ça me fait vraiment, vraiment énormément plaisir. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos commentaires. Vous pouvez le voir sur le titre, je vais parler des Kylie Cosmetics. J'ai enfin pu avoir la main dessus et franchement, que dire, j'en suis réellement satisfaite. Il y a environ 3 semaines, j'ai passé commande sur le site de Kylie Jenner, kyliecosmetics.com. Moi, j'ai réussi à m'en approprier grâce à une amie qui s'appelle Sandra. Sandra, merci beaucoup de m'avoir averti qu'il y avait un réassort. Donc, c'est pour cela que j'ai pu me procurer ces lipsticks. Ces liquid lipsticks. Bon, on va dire c'est rouge à la liquide. Hein. On va rester en français parce que mon accent, c'est... Je vais déjà vous dire, il y a des frais de douane, mais moi, vu que j'ai commandé à... ma commande était à 62,50 €. J'ai juste esquivé les frais de douane. Mais sinon, franchement, vous taxez quoi. Les frais de port n'étaient vraiment pas élevés, ça allait. Je crois que c'était à peu près 8 $ le frais de port. Franchement, ça reste raisonnable. Enfin, je ne sais pas. J'ai reçu mon colis dans un carton avec Kylie Jenner, comme vous pouvez connaître. J'ai trouvé une petite lettre de Kylie Jenner qu'elle a reproduit en 100 000 voire 1 million d'exemplaires. Et j'ai commandé le kit qui était dans ce carton là, vu que c'est un kit. Il est composé d'un crayon à lèvres et d'un rouge à lèvres liquide. Celui là c'est le True Brown K. C'est un brun, c'est vraiment un brun chocolat. Et moi j'adore, franchement j'aime beaucoup les bruns chocolat. Donc voilà, ça vaut 29 $. Vous payez le rouge à lèvres liquide plus le crayon. Franchement, je trouve que ça reste raisonnable. J'ai pris aussi le rouge à lèvres métallique, le matte métal lipstick. Franchement, c'est de la tuerie. C'est ce que j'ai sur les lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment original. Franchement, la couleur est trop belle. Et le fini, il est juste agréable sur les lèvres. Et pour répondre à votre question, franchement, il n'assèche pas du tout les lèvres. Et voilà, maintenant on va passer à la petite vidéo swatch. Afin que vous vous rendiez compte à quel point ces rouges à lèvres sont des bombes atomiques. Shorty just hopped in the rain. Shorty said money ain't a thing. I ain't never fucking with a broke bitch, cause you gotta get that money anyway. Pull up with all 4 doors off. Won't you pay December? Ain't nobody better. We should be together. Baby, it's whatever. Somebody gotta step up. Oh, baby, no pressure. And my nigga know he messed up. He didn't know how to catch up. I am on a whole nother level. Wait, tell me why we settled. Fuck it then, I guess you didn't know any better. Know that she want shit when you met her. You and I both know that we can do better. Been through some stuff. Alors j'ai trouvé un dupe du True Brown lipstick. Il s'agit du Covette de chez Milani. Les couleurs sont assez similaires. Hein. Je dis bien similaires, c'est pas vraiment la même chose. Ça c'est celui de Milani. Ça c'est le Milani. Je vais vous swatcher celui de Kylie Jenner. On va dire qu'il a un poil plus foncé que Kylie Jenner et l'autre c'est le Milani. Ça c'est vraiment pour celles qui ne peuvent pas se procurer celle de Kylie Jenner. Sachez que le Covette de chez Milani, il a à peu près la même couleur. C'est vraiment un parfum. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et faites-moi part de vos avis en commentaire, hein. Faites-moi part. Et puis merci encore pour tous vos abonnements, pour tous vos messages d'encouragement. On se retrouve à bientôt. Bye.